Bonjour, je me présente Yannick Seyer. Bienvenue dans mes rédactions hebdomadaires pour bien écrire le français, syllabe par syllabe, avec les règles de base de grammaire, de conjugaison et d'orthographe pour les classes de CP, CE1, CE2, CM1, CM2 et 6e, mais également dans le cadre du soutien scolaire pour tous ceux qui ont des difficultés. Je vous invite à retrouver tous les liens vers les cours en fin de cette vidéo. Excellent cours à tous. Voyons aujourd'hui les marques du dialogue. Dans ce dialogue, je vous ai pris D'Artagnan qui rencontre Porthos. Dans un dialogue comme ici, à chaque fois qu'un personnage prend la parole, on passe à la ligne suivante et on met un tiret en début de parole. Quand il y a deux personnages, comme ici, les personnages parlent l'un après l'autre. On n'est pas obligé d'ajouter « dit l'un, répondit l'autre ». Il faut savoir qu'on peut également ouvrir des guillemets devant le premier mot prononcé et fermer après le dernier mot prononcé. Mais voyons cela au travers l'écriture de ce petit dialogue. Commençons par le titre « D'Artagnan rencontre Porthos ». Alors, je commence le titre avec une lettre majuscule, D'apostrophe Artagnan. Un nom propre, donc avec une lettre majuscule, A-R-A-T-A-T-A-G-N-A-N-N-I-A-N. Artagnan. Rencontre, R-E-N, rend. C-O-N, con. T-R-E, tre. Reverbe, rencontrer. En trois syllabes, Porthos. Ici, Porthos, c'est un nom propre. Donc, P majuscule, O-R, port. T-H-O-S, tos. En deux syllabes. Et je termine mon titre avec un point. D'Artagnan rencontre Porthos. Passons à présent au dialogue en commençant par un tiret comme ceci pour introduire, alors mes feutres, introduire le premier dialogue. Alors, vous ne pouvez pas faire attention, dit Porthos. Alors, V majuscule, comme je commence une phrase. O-U-S, vous. Ne pouvez, verbe pouvoir, P-O-U-V-E-Z, puisque ici, c'est en accord avec la deuxième personne du pluriel. Vous ne pouvez pas, P-A-S, pas. Ici, je vous rappelle qu'il y a donc la négation entre le verbe faire. Ici, le deuxième verbe à l'infinitif, toujours. Attention. A-T-A-T, T-E-N, ten, T-I-O-N, avec un point d'interrogation. Attention, en trois syllabes. Et là, on peut rajouter « dit Porthos » pour savoir qui parle. D-I-T, dit Porthos. Alors, Porthos, c'est toujours un nom propre. P-O-R, port. T-H-O-S. On n'est bien sûr pas obligé de le marquer, mais ça nous, ou de le dire. Ceci dit, ça nous permet de savoir qui c'est qui parle. Dit Porthos. Ici. Bien. Passons au deuxième dialogue, la réplique, par D'Artagnan. Comme par exemple, désolé, je ne vous avais pas vu. On reprend par un tiret, comme ceci. On saute de ligne et on commence par un tiret.
désolé, avec un D majuscule, E accent aigu, D, S, O, ZO, L, E accent aigu, LE, D, ZO, LE, en trois syllabes, virgule. Je ne vous avais pas vu. Je, J-E, je ne vous avais, A-V-A-I-S, ici avec une liaison, pas, P-A-S, pas. Là encore, ne pas encadre le verbe. Vu, V-U, vu. Et là, je vais mettre un point d'exclamation. Ah, je vais mettre comme ça, qu'on le voit bien. Et je vais dire, par exemple, eh bien, que c'est D'Artagnan qui répond. Donc, répondit, R-E, accent aigu, ré, P-O-N, pont, D-I-T, dit, D'Artagnan, D apostrophe, A majuscule, puisqu'ici, il s'agit d'un nom propre, Artagnan. G-N-A-N. Point. Comme nous l'avons dit précédemment, eh bien, on peut également commencer la phrase avec des guillemets, comme ceci. Comme par exemple ici, eh bien, on va commencer par Porthos qui va dire « Savez-vous qui je suis ?» Alors, « Savez-vous » S-A-S-A-V-E-Z. Savez-vous? Donc ici, la phrase commence par donc, l'ouverture des guillemets dès le premier mot. Savez-vous qui je suis? Q-U-I. Qui je suis? J-E. Je. S-U-I-S. Un point d'interrogation. C'est le dernier mot de sa phrase et je termine ou je ferme les guillemets comme ceci. Je vais souligner ici pour qu'on sache qui c'est qui cause. Voilà, par exemple. Suite à quoi, eh bien, D'Artagnan réplique en disant « Et vous, savez-vous à qui vous parlez ?» Donc là, on reprend, on rouvre les guillemets. Ici, pour la réplique de D'Artagnan, et vous, donc, E-T, et vous, V-O-U-S, virgule, savez-vous, S-A-S-A-V-E-Z, vous, V-O-U-S, à qui, à accent grave. À qui vous parlez? V-O-U. Vous parlez. P-A-R par L-E-Z. Et un point d'interrogation. Et je termine ici avec les guillemets fermés. Je vous remercie de votre attention. Si vous avez aimé, mettez un pouce bleu et partagez cette vidéo avec ceux qui en ont besoin. Retrouvez-moi dans les playlists qui s'affichent pour compléter vos connaissances. Au revoir et à très bientôt.